La nature attend avec ardent désir voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, nous vous disons infiniment merci. Bienvenue à votre émission Panneau Publicitaire. Panneau Publicitaire, votre émission qui passe sur l'Union RTV HD, où nous prenons sur l'Union dans la famille, dans la société et dans les corps mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis un grand merci. C'est lui que moi je l'appelle le patron de ma vie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le patron de cette chaîne Union RTV HD. À lui seul l'honneur et la gloire. Merci également à ma grande équipe, la réalisation, la régie centrale, les services de montage, et tous les personnels de la grande chaîne Union RTV HD, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Sans oublier à vous, chers internautes, vous qui nous suivez pour la toute première fois, installez-vous tout simplement, confortablement. Nous allons passer un excellent moment de télé à suivre votre émission préférée, Panneau Publicitaire. Promouvoir l'homme et tout ce qui fait de la société, c'est de passer dans votre émission Panneau Publicitaire où nous recevons les hommes de Dieu pour en parler si leur appel au ministère, la commission et autres questions similaires. Nous recevons également les chantres de l'Éternel. Vous êtes entrepreneur, vous êtes un ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo. L'espace est là. Nous vous donnons l'opportunité de parler, de s'exprimer sur tout ce qui se passe au sein de votre ministère, si vous êtes un ministre, au sein de votre cabinet, si vous êtes un avocat et tant d'autres. Junior, Jackson, Lithiel, laissez-moi. Installez-vous encore une fois de plus, tout simplement, confortablement. J'ai un réel plaisir de recevoir aujourd'hui un homme de Dieu pour la toute première fois dans cette émission Panneau Publicitaire, le révérend Richard Bensalé de Taz Bikamwa Tabernacle, ici à Kikolé, pour la toute première fois que nous puissions faire une émission ici à Kikolé avec le révérend Pasteur Richard Bessalé, responsable de l'église Taz Bikamwa, comme je viens de le dire. Nous allons parler avec lui si son appel au ministère. On va essayer un peu de faire du bruit sur son appel au ministère, la commission, les signes et les prodiges et les différentes manifestations que nous remarquons et nous voyons de loin dans son ministère ici en Kinkolé. Le pasteur Richard Bensalé, que Dieu bénisse. Amen. J'espère que vous allez bien, papa. Je suis très bien par la grâce de Dieu. Et comment se porte d'abord l'église Taz Bikamwa, ici à Kinkolé? Oui, l'église Taz Bikamwa se porte à merveille. Tellement que c'est l'œuvre de Dieu, ça ne peut que bien marcher. Très bien. Parce que ici chez nous, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de querelles, il n'y a pas de disputes, il n'y a pas de, de divisions. C'est ce que nous remarquons beaucoup plus dans les églises du message aujourd'hui. Il n'y a pas de division ici à Kinkolé. Bon, vous savez, le Saint-Esprit ne se bat pas lui-même. Parce que tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ entre dans le Saint-Esprit. Très bien. Alors le Saint-Esprit, c'est un tout très bien organisé dont les éléments sont en interdépendance. C'est comme un océan. Et si dans l'océan il y a quelque chose d'étrange ou d'étranger pénètre, l'océan lui-même va entrer en ébullition pour provoquer des vagues avec cette saleté-là puisse partir. Alors, comme les gens ne comprennent pas bien, ils mal placent les choses pour appeler sa division. Ah bon? Selon 1 Corinthiens 5:11. Commençons par là. Il est écrit, n'ayez pas de relations avec quelqu'un qui se dit frère. Si je dis frère, c'est que les sœurs sont incluses. Celui qui se dit frère et qui est impudique, outragé, cupide et tout ce que nous savons, la Bible dit que ne mangez même pas avec un tel homme. Là, c'est écrit dans la Bible. 1 Corinthiens
5:11. C'est lui qui est impudique. Quand vous descendez, pas seulement impudique, mais cupide. Cupide. Outragé. Mais excusez, pasteur, aujourd'hui, la cupidité dans les églises du message, bon, non seulement les églises du message, la cupidité aujourd'hui a envahi le monde. Tout le monde a besoin d'argent, avoir beaucoup d'argent, mais je ne sais pas. C'est devenu monnaie courante. Mm-hmm. C'est ce que Jésus a dit, qu'au temps de la fin, les gens seront. Mm-hmm. Et si vous voyez encore dans la Bible, si je ne me trompe pas dans Matthieu, Jésus-Christ a dit, nul ne peut être au service de deux maîtres. Mm-hmm. Pour ne pas dire, nul ne peut servir deux maîtres. Il servira l'un et il méprisera l'autre. Et c'est ça qu'aujourd'hui, comme le diable est toujours hypocrite, malin, alors, il cherche toujours à montrer comme si ce comme n'est si. Pas ça, alors que c'est ça. Parce que tout ce qui est diabolique est enténébré. Alors, c'est un comportement d'infiltration. Donc nous avons des infiltrés aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on appelle démons religieux. Donc les démons religieux. Alors, pour dire en gros, est que le message que l'ange a prêché à travers son prophète William Marion Branham est infiltré maintenant. Ah bon? C'est ça la grande chose que nous remarquons. Alors, je voudrais terminer un peu mon idée que dans 1 Corinthiens 5:11 là, quand vous descendez jusqu'à 20, vous allez trouver que la Bible nous autorise de juger. Nous ne jugeons pas les païens. Mais ceux qui disent qu'ils sont frères, qu'ils croient, nous avons à les juger. Donc la Bible nous donne l'autorisation de juger nos frères, les croyants. Mais tout ce qui est parole. Mais aujourd'hui, c'est tout si ce que tu parles à un frère, oh, ne me juge pas, ne me juge pas. Oh, c'est écrit dans la Bible. Mais moi, je me pose la question, pasteur. Ils ne comprennent pas, c'est tout. Les gens aujourd'hui, ne jugez point. Les gens ont souvent l'habitude de dire, ne jugez point, ne jugez point. Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Alors que la Bible nous autorise, nous donne même le droit de juger nos frères. 1 Corinthiens 5:11. Vous descendez là-bas, vous allez voir que c'est clair. Ce n'est pas une parabole. Et ce n'est pas l'Ancien Testament qui était l'ombre. C'est le Nouveau Testament. C'est une phrase qui a été prononcée par le Saint-Esprit lui-même à travers Paul. Et il y a des gens qui cherchent à se cacher pour dire que c'était Paul. Alors vous savez que pour nous les nations, le salut de Jésus-Christ par le Saint-Esprit nous est parvenu par le ministère de Paul. Oui. Alors il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse dire « Oh, que ça c'est Paul et consorts. » Non. Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Celui qui n'agit pas comme Paul n'agit pas comme Branham. Très bien. Parce que ce n'est ni Branham ni Paul qui agit, mais c'est le Saint-Esprit en eux. Très bien. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. J'espère que c'est juste l'introduction du révérend pasteur Richard Bessal. Réchauffer les lobes de Onanga. Encore une fois, les journalistes n'ont pas d'amis, ils ne sont 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 pas d'amis, ils ne Parce que nous, ceux qui nous est, ceux qui ont organisé une campagne d'évangélisation ou réunion des réveils, on est toujours invité au quartier général. Quand je dis quartier général, on est invité au pasteur Yabaout Tabernacle. Mais le pasteur Richard Bessal, responsable de l'église Tazbika, moi, à sa campagne, bon, à l'obi, il est mon repère Alex Anzam Benaï. Abo, il n'est qu'on s'associe à Batou. Abo, il n'est qu'on s'associe à Batou. Ou bien, il y a une inspiration dans le bain qui est mon côté de Malibosso à Batou. Pour démontrer qu'il n'y a pas de santé. Tu retournes à la mitouna, tu retournes à la ministère, tu es là, tu es là, tu es là, parce que les gens sont là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, la es là, tu prophète, là, tu es 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 là,
ma manifestation tellement de l'engamota on a moni na bangi donc na les limba la moko binopeta mbomona en tout cas bo supporté comme on a la présidence à colonne de feu ba signe belé auto moni awa tant binopeta mbomona en tout cas bo supporté et puis toko lobi la pe ba témoignage na makambo nyo certaines questions similaires par rapport na makambo nyo za ko lekana côté yo na kinkole pasteur Richard Bessalé de Zongelio Siko. Pouvez-vous nous donner d'abord votre présentation? Vous êtes pasteur responsable de l'église Taz Bikamwa, ici à Kinkole. Vous êtes célibataire, marié, mais de quoi est non pasteur? Nous avons ça dans ma présentation, non à Mukuse. On a bande de quoi je suis le frère Richard Bessala Luenda Okofo. Alors ce nom là. C'était un testament de ma tante qui a été maltraitée par son mari. Et en mourant, il a dit à mon papa, tellement que ma mère était enceinte, de lui donner ses noms. Et que ce soit un garçon, que ce garçon-là devienne célèbre. Ah bon? Et qu'il commence à maltraiter les femmes comme on l'avait maltraité. Ah bon? Et tellement que j'ai regretté. Donc, par rapport à ce testament-là, j'ai prié Dieu et Dieu a voulu que un certain changement puisse intervenir dans ces noms. C'est pourquoi vous voyez. Au lieu de maltraiter les femmes. Oui, au lieu de maltraiter les femmes, mais Dieu a voulu que ce soit lui. Qui traite les femmes à travers moi. À travers vous. Et quand Dieu entre, le mal part. Alors, vous trouvez que à la fin de ce nom, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce sont les gens qui ont levé A, ils ont mis E. Bessala. C'était Bessala. Bessala. Oui. Oui. Alors, j'ai insisté. Et il y a eu un jour où je voulais insister encore. Mon ancien direct, le pasteur Bampé Naka Bambapé à son âme, Beka Junior, a été inspiré pour me dire que le frère Richard, oubliez les A là. Bessala. Oubliez les A, ton nom c'est Bessalé. Ah bon? Et quand je suis rentré, j'ai prié. La voix du cœur, parce que Dieu me parle toujours par la voix du cœur. Me dit que Ella, c'est de l'éternel. Comme Éden. Voilà. C'est à partir de là que j'ai changé tout, de Bessalé en Bessala. Je suis marié de la sœur Mado Madeleine Bessalé. Maman Madeleine, salutations à vous, maman. Voilà. Je suis né le 16 juillet. 1970. Allez-y comprendre. 16. 1 plus 6, c'est 7. 7. J.E. c'est le 7e 7. Mois. Et puis 1970, je suis série 7. 7. Alors, 7, 7. Vous trouvez que 7 revient toujours. L'achèvement. Et le prophète a dit que le chiffre 7 a un travail bénéfique dans la parole de Dieu. Et quand là, vous c'est voyez... pas un raccordement frauduleux, pasteur. C'est un raccordement pour bien. Je ne sais pas, même si on a un bal ici, mais ils ont des bongos. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Alors, ceux qui, même si on a un bal ici, on a un bal ici en go bongo, ceux qui s'y supplient, ils ont un certité, ils ont un ceux qui paient, j'y ai, ils ont un septième moitié. Si 1970, Ezali et série 7 été. Alors là, ce n'est pas une imitation, mais c'est une réalité. Le prophète Branham a évoqué aussi ça. Est-ce que lui avait imité aussi? Parce qu'aujourd'hui, Bandekwe Bele, ceux qui m'ont dit, moi, il est moko. Ah, une imitation. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que l'imitation. L'imitation, tout ce que Dieu a créé. A le côté bon et le côté mauvais. L'imitation, c'est mauvais. Mais l'imitation aussi, c'est bien.
Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis pour Christ. Mm-hmm. Donc, on peut imiter d'un côté bien. On peut imiter si c'est bien. Mm-hmm. D'ailleurs, nous, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Vous imitez. Nous imitons. Mm-hmm. Parce que Dieu nous a donné à être comme, mm-hmm. à agir comme. Mm-hmm. L'imitation, c'est ce qui est comme. Mm-hmm. Alors, si c'est comme par rapport à ce que Dieu te dit d'être, mm-hmm. là, et ça, imitation est bien. Ok. Mais si c'est comme le diable l'avait fait là-bas, au ciel, je voudrais être comme Adam et Ève. Si vous mangez, vous ne mourrez pas, mm-hmm. mais vous allez devenir comme. Ça, c'est un faux comme, mm-hmm. ni mauvais côté. Il y a imitation à ma B. Voilà. Mm-hmm. Alors, ce que moi, j'ai fait là, c'est ce que Dieu a fait de moi. Mm-hmm. D'ailleurs, je suis né dans un mangeoir. Ah bon? Oui. Au village là, il y a des cuisines. La cuisine, quand on termine, on laisse ça à la proie des chèvres, des moutons et consorts. Alors, moi, je suis né à 7 heures. Ah, papa. Donc, 7. Il y a un bizarre. Voilà. Comment est-ce que cette fois-ci, tu as dit, mais sous tes comme imitation? Oui, bon, si c'est hein? l'imitation, alors, je ne sais pas si c'est Dieu qui a imité ça. C'est comment moi. Vous avez su que Obotemakin a 7 heures, papa? Je ne sais pas. Hein, qui vous a dit aussi quand que j'étais né? Oui. Mais mon père est mort, mm-hmm. mais ma mère est vivante. Mm-hmm. Mon grand frère, mon aîné, est vivant. Il est ici. Mm-hmm. Alors, si les gens peuvent prendre ses coordonnées pour lui demander. Non, à 7 heures. J'étais né à 7 heures mm-hmm. dans une cuisine. On est un peu comme ça, les sondés mots, quoi, ils sont bouteille maquine. Bon, tout cas, une parenthèse. J'ai vu aussi vous achoper que j'ai donné naissance à 7 enfants. J'ai 7 enfants. Il y a une ma place, vous avez combien d'enfants aujourd'hui? 7. Donc, 7. J'ai 7 enfants. Ah, voilà. Vous avez demandé à Dieu ou bien Zambé, on a plus 7 ou en araka. Parce qu'aujourd'hui, dans ma jeune couple, là, j'ouvre directement ma parenthèse, mon babilingue les lots. Comment une planification peut planifier? C'est-à-dire? Je suis une planification. Mm-hmm. Je suis un train qui suit son rail. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas de train sans rail. Mm-hmm. Nous avons été prédestinés dès avant la fondation du monde. Hein? Ceux qui demandent là, ce sont ceux qui ne comprennent pas. Mm-hmm. Mais quand Dieu appelle l'homme, il va le préparer dans son caractère. Très bien. On ne peut pas s'improviser, mm-hmm. ou bien on ne peut pas improviser un caractère. Mm-hmm. Ça n'existe pas. Très bien. Je suis né comme ça, mm-hmm. et c'est arrivé comme ça. Merci. On te suit brève présentation à Pasteur Richard Bessalé. Marié d'une femme, polygame ou bien dans le bien, moi c'est mon quoi. Bami balayé tu mon quoi. Je suis pasteur parce que Dieu savait que par rapport à sa parole, il est écrit qu'un pasteur doit être le mari d'une seule femme. C'est ma seule femme, vierge que j'ai dotée. Donc voilà ce que je peux vous dire. Voilà, merci beaucoup. Le révérend pasteur Richard Bessalé, marié d'une seule femme, père de 7 enfants, et aujourd'hui responsable de l'église Tazbika, moi, entrant directement dans l'étape ministère, pasteur Richard Bessalé. Voilà. En quelle année vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ? Et puis, ceux qui ont cru, ils ont la Bible, avant tout comme un message. Je ne veux pas vraiment aller trop loin faute de temps. Parce que votre émission est chronométrée. Très bien. J'ai rencontré la vraie parole, le message, en 2000. Et si on parle de la vraie parole, la sainte doctrine du message, même si on s'endort, on doit parler de Beka Baruti Kasongo. Kasongo, l'homme de la relève. Mais moi, je l'ai toujours appelé l'homme selon les actes des apôtres. Quelle est l'appellation?
Ça, c'est moi. La révélation individuelle. Voilà, si vous suivez la chanson qu'on avait déduite, na anniversaire naïe. On a pas période de confinement. Voilà. Période de confinement. Non, confinement, je me souviens. Il n'y avait qu'un seul prédicateur. À nos prêchés monde entier. En RDC, dans le monde entier. Il n'y avait qu'un seul office de musique. C'était les Bessal et Soussé. Oui, nous y sommes. Dans RTVA. Il y a eu plusieurs fois dans RTVA. Oui, oui. Voilà. Là, je le sais. Je le alors, sais. Là aussi, c'était un hasard. Donc, c'était à quelle année comme ça? 2000. Oui, bon, le confinement, pour ceux qui ont de bonnes mémoires, bon, Bango Mokoba Luka, Amboula, on a eu un confinement. C'était en 2020. Voilà. Il y a eu un message. Oui, il y a eu un année. Message en 2000. En 2000. Et c'était aussi un miracle. L'an 2000. L'an 2000. Dans mon cœur, parce que dans 90 quelques, il y a eu division. Il y a des frères qui sont venus à Shekina. Alors, je voulais toujours voir la personne de Baruti dans mon cœur. Malgré Batounyo Sobabana Otangaona, je voulais voir Baruti. J'ai cherché, mais je n'avais pas vraiment, je n'étais pas poussé. Parce que Rompoenga Bezagi Moussigate. C'est ça que vers 99, le pasteur Boa. Clément Boa. Le pasteur Clément Boa. Est venu ouvrir une œuvre sur la 12e rue. Salutations à vous, le révérend Clément. Alors, il y a un frère qui est venu me dire que il y a un prédicateur qui est venu de Guinée. Il était le directeur de l'office. Directeur de l'office des dons. Des dons, maison des dons. Voilà. Il a ouvert une église ici, tout ça. Bon, quand moi j'ai suivi qu'il vient du pasteur Barout, je suis allé. Et quand je suis arrivé là, bon, Dieu n'a pas voulu que je puisse évoluer là-bas. Mais au Bandai, pasteur Clément, oui. Pour les cacher. Oui, Dieu n'a pas voulu. Nous avons eu une différence en rapport avec l'opération des dons. Oui, moi, je voulais aller là-bas, mais il m'a dit d'écrire toute ma vie, hein, depuis la naissance. Donc, on met un papier. Ce que je n'ai pas apprécié parce que moi, je lisais. Les actes des apôtres. J'ai trouvé que toute votre vie, amener là-bas, tout ça, il y a des choses. Bon, je ne suis pas venu parler de ça. Oui, oui, c'est juste mais je vous dis seulement ce que je vis. Alors, je n'ai pas apprécié ça. Parce que Dieu est omniscient. Omniscient, omniprésent. Alors, Dieu doit me connaître. Dieu doit me découvrir. Alors, Nabima Kiwana Nabondela Kizambe. Dieu m'a dit d'aller à Rigini. Quand je suis allé à Rigini, j'ai rencontré le pasteur Baruti miraculeusement. Face à face. Face à face. La première fois, il m'a embrassé sans que moi je le sollicite. C'était à quelle année? C'était en 2000. En 2000 toujours? Oui. Quand je suis monté, j'ai trouvé l'honorable Ntumba. Il m'a dit, bon, c'est ici l'église du pasteur Baruti. Papa Ntumba paix en son âme également. Oui. Alors, le dimanche, quand je suis parti, je suis entré dans le conseil des diacres. J'ai cherché le diacre de Kingabwa. Parce qu'il y a un frère qui m'a dit, oui, chercher le diacre de la juridiction de Kingabwa. C'était l'honorable Bouendwa à l'époque. Et quand je lui ai demandé, on m'a dit aller au parking. En montant au parking, j'étais debout comme ça. J'ai senti quelqu'un me tirer ici. Il m'a fait tourner comme ça. Et il m'a embrassé. C'était en vision ou bien en temps réel comme ça? Papa, je vous dis ce que j'ai vécu. Quand ça sera une vision, je te dirai que je suis entré en vision. Je vous ai dit en temps réel. Il m'a embrassé même pendant 2 minutes. Moutouyo et Lukaye. Je ne cherchais pas le pasteur Baruti. Je cherchais l'honorable en descendant de sa voiture qui me fait tourner comme ça. Il y avait beaucoup de personnes, je vous dis. Il m'a embrassé pendant plus d'une minute. Et il disait que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Pour la première fois. Je ne les connaissais pas. Quand il m'a laissé, il est descendu, il est parti. Et après, je vois l'honorable Bouendwa qui s'étonnait. Il dit, frère, tu connais celui-là? Je lui ai dit, non,
Il dit, c'est le pasteur Baruti. Là, j'étais déjà enveloppé de l'onction. Donc, c'était juste une connexion avec Pessa. Bon, c'est toujours bazar et Angoba Tobazolo. Hasard, oui, oui. Hasard, Moussoussou. Yango, voilà. Vous avez une connexion, moi, vous pouvez baguiter. Non préparé. Ah, non. Alors, je me suis intéressé à l'honorable Bouindo. Bouindo. Alors, je veux vous dire aussi un autre hasard. C'est-à-dire, tu sais, l'honorable Bouindo a 4 mois. Alors, bon, on a quoi, Nandako. Quand vous avez un Nandako, abosani adresse Nandako. La fin de la 14e rue, avenue Bokakites numéro 5. À côté de la 14e rue, rail et petit si à Katis, à la voiture. La voiture. À tiki voiture, one. Quand il voulait sortir, à Monique adresse exacte. C'est ça qu'il voulait rentrer dans la voiture parce qu'à Monique, bon, ça ne va pas. Je dois rentrer. La voix lui a dit descends. Maintenant, c'est la voix qui le conduisait. L'honorable Bouindo est vivant, il peut témoigner. Il s'agit du frère Richard Bessalé. La voix l'a conduit jusque là où moi j'étais. Pour la première fois. Pour la première fois. Il était sous l'onction, il dit non, tu dois voir le pasteur Baruti. Et comme le pasteur Baruti était aux États-Unis, il a souhaité que je rencontre d'abord le pasteur Landou. Landou à l'époque. Et le dimanche, c'est la même semaine que le pasteur Baruti était de retour. Alors, Batangi Bakombo Boeti, Yanga na pasteur Landou Ezate, on est allé citer ça sur la liste du pasteur Baruti. J'ai dit, surprise. Quand est-ce que moi je verrai le pasteur Baruti? Je suis rentré, j'ai dit à l'honorable Bouindo, mais comment on s'aligne à Bouye? Quand est-ce que moi je vais voir? L'honorable dit, est-ce que tu crois que ici c'est l'église du Dieu vivant? J'ai dit, oui, je crois. Il dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a fait ça. Je suis allé chez la pauvre sœur Bena, secrétaire alors, que son âme repose en paix. C'était l'honorable Bouindo Mugaruka. Il y a une liste d'audience, il y a pasteur Landou. Donc, il y a une liste de pasteur Landou. Et on s'est retrouvé dans la liste de pasteur Baruti. Et il y a une liste de pasteur Baruti. J'ai demandé à la sœur Bena. Moi, je ne veux pas que mon nom soit sur la liste du pasteur Baruti. L'ongola yango, si y a yango na liste, il y a papa Landou. La sœur Bena m'a regardé et dit, oh tu vois. Elle a compris que j'étais moufou. On dirait que Baruti était. Ah. Il grâce comme bonne côté analyste. Ce n'est pas que Naebi était, mais. J'avais peur. Nazagi, comment on a dit, n'a qu'on n'a qu'on a été. Alors, le même jeudi là, Koura et Bebaki, Tio et Bouchaki, Bakataki courant. Du matin à 18h, le pasteur n'avait reçu que 10 personnes. Mais ce qu'on a dit, plus de 400 personnes. Parce que j'ai des pasteurs, des malades sur des civières, hein, des chantres et consorts. Moi, j'étais d'ailleurs en babouche. Donali Papa. Secrétaire Lutuku. À l'époque. Abimi. Un pasteur Lutuku aujourd'hui à Zana Chine. À Zana Chine. Salutations à vous, pasteur Lutuku. Alobi, le pasteur Baruti ne saura pas recevoir les gens parce qu'il n'y a pas de lumière. Moi, beaucoup m'aide à erner. 18h30. Ok. Rentrez, Dieu connaît votre problème. Vous allez revenir dans des occasions ultérieures. C'est alors que moi je suis allé par derrière la porte comme une bombe. Je ne priais pas pour que le pasteur Baruti me reçoive, mais je priais pour voir comment je vais rentrer. Seigneur, depuis le matin je n'ai pas mangé, je suis venu à pied, je vais rentrer à pied, alors aide-moi pour que nous nous contactions. Donc moi déjà côté audience c'est raté nango. Bah ton bazar, moi j'étais derrière le tout. Yo soki eno na sima kuna bomo lwa ndenge nina ozungu. Na yoki ka moto afungoli porte wana bon. C'est qui ici? On dit c'est moi. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi j'étais venu à l'audience. Wana. Le secrétaire le tout. Oh, bah tu yo ce bazar. Yo se retrouve côté ndenge.
peux venir voir le pasteur. Attends, quand on est dans l'attaque et tout ça, j'étais vraiment bizarre. Alors, il m'a dit, pourquoi? Moi, je dis, c'est pour ma vie chrétienne. À Balou qui a talibat. Maman est passée à l'obac à Kota Siko. Kota. Après cette maman, toi, je te donne 3 minutes. Quelle grâce. Allez-y comprendre. Wana est à Kaza. Et je suis entré, j'ai rencontré l'homme de Dieu. Face à face. Face à face. L'année 2000. Et écoutez les miracles. Tant on a su sur l'obac, il y a mon quoi carnet. A commis comme on a eu. Alors, je te recommande à la salle des dons. Ce qui résulte est bimi, bah y'a n'angwe et pas n'anga mon corps, je vais m'occuper de ton problème. Et ton problème. Banda wana, résultat est zongate, na kouta na pena, na pa kabaroute. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, quand même, au sala, au ya le baga. La maison des dons, je suis allé avec toute ma famille, Dieu a parlé, c'est mon fils, c'est tout ça. Bon, moi, na lobana yo awate, ça va prendre beaucoup de temps. Et après, naibi ce pasteur bako bengana nga nanda ko lobby na 4h. Abi olingini nga bibondela, il a prié. Na 4h ba bimisi biso nanda, mais ba defisi biso ndako 10 fois plus belle que o biso to vandaki. Ba defisi biso na Kinshasa wa. Ndako o def. Ça rappelle la prière de l'homme de Dieu, le pasteur Baruch. Oh Jésus. Babengani bino nanda ko yo boké côté msus local le même jour à bapesi bino nda ko. Ah, moi je ne suis pas derrière le ministère du pasteur Baruch, mais je suis dans le ministère du pasteur Baruch. Je suis le ministère du pasteur Baruch. Et loko yo pasteur Bessale, moi babiloko ba déclaration na on est peut-être baninga on a qui ko le ba comprendre ngote. Vrai ba émission na bino bosa matango mukuse. Ma déclaration que moi je ne suis pas derrière le ministère. Non. Moi je suis derrière le ministère du pasteur Baruch. Mais yo boudé en yo boza katia ministère. Si tu es derrière ça, la bino moi différence. Papa, la différence. Bato baza derrière nanga ba comment na micro eza na col nanga te. Celui qui est derrière n'est pas dans. Cette différence là, aux yeux qui inspiration en Andéni qui yosa na katia ministère. Celui qui est derrière est derrière un corps. Derrière les dos. Il est derrière un corps. Mais on ne peut jamais être derrière un ministère. Ah bon? Il y a la différence entre un ministre et un ministère. On ne peut beaucoup jamais. De gens sont derrière Beka, mais ils ne sont pas dans le ministère de Beka. Expliquez-vous, c'est-à-dire. Mais le ministère, c'est la parole, non? Donc, tu es béni, Lilo, tu es simanaï. Voilà. Mais tu es en quantité. C'est ce que j'ai essayé de dire lors de la campagne. Je leur ai dit, si vous aimiez Baruti, vous allez m'aimer. Pourquoi? Parce que je suis sur les traces de Beka. Et permettez-moi d'entrer sur ce qui est de la campagne. Un dossier campagne. Pendant que vous êtes là, vous avez une minute. Dans le dossier campagne. Mais vous êtes là. J'ai fait la campagne sous l'inspiration divine. Parce que ma religion est surnaturelle. Je ne vis pas de moi-même. Un jour, on m'avait injurié. Vous êtes invité dans ton quartier général. Écoutez bien. Tant on a zot, ça là. Vous démontrez qu'il y a posé un ensemble. Balobi kenga naza moi na makango. Regardez mon père. Direct. Mais Baloba qui est yokuna se rebella, ça la rébellion. Mais. D'ailleurs, le pasteur Bapoué na paix en son âme, Kabwana naye, Bouzara na. C'est ce que les gens disent. Ça n'existe pas. Ça c'est Asekine, non? Babenga un fils rebelle, Kuna. Ça c'est Asekine. Oui. Je suis sorti de Asekine sous l'inspiration divine. J'avais écrit une lettre. Et après, cette lettre a été lue du haut de la chair. Du haut de la chair. Après ma sortie, je marchais toujours avec le pasteur Bampouena. Parce que je l'accompagnais partout, dans les positions de main, dans la délivrance. Ce sont des mensonges.
Mais regardez dans mes statuts, je lance toujours là où le pasteur Bampouena était en train de me consacrer dans le ministère. Il y a consacré à côté. Mais ce sont des questions. Ils ont dit que c'est le Balibanda. Et peut-être que c'est le Balibanda qui a fabriqué dans la chambre ou en privé. Mais Melvin, on avait vu ça. À partir de Mbinza là-bas, il s'était étonné. Il a dit, oh, qu'est-ce que je vois? J'ai des vidéos. La consécration. J'ai des vidéos, je vais lancer ça. Ah bon? On va lancer mon numéro. Regardez dans mon numéro, je n'ai qu'un seul numéro. Ça passe à WhatsApp et consort. Excusez, vous pasteur. Vous allez voir, je vais lancer dans les statuts. Excusez, pasteur. Avant, parce que tu as le la vraiment consécration, na yo. Au fond, là qui brèche mon copain à campagne. Oui, je suis. Au fond, là qui brèche à campagne. Je voudrais. Je voudrais aller là-bas. Na campagne, voilà. Avant, tu continues à côté. Voilà, voilà, voilà. Y a ba conseil, y a consécration. Balobi nanga. Que Ozoteya na puissance ya ministère ya pasteur Bampouena. Parce que les gens voulaient toujours m'opposer avec le pasteur Bampouena. Ils ne voulaient pas de moi aux côtés du pasteur Bampouena. Donc c'était ça la raison. Voilà. Alors, je me suis fâché. J'ai dit, si c'est comme ça, alors je vais dire à Dieu de m'enlever ça. Je suis allé en forêt, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, si c'est que j'ai la foi, le ministère, les dons et consorts, c'est pour le pasteur Bampouena. Ou même c'est pour le pasteur Baruti. Zoyango. Même que Eza Oyo Brana Matikilanga. Joie yango pesa ngona mutu mususu. Tiganga vi. Na lingé loko ya mutu te. Parce que toi-même tu as dit, tu as donné. Après les acquisitions, voilà. Au côté Zamba, voilà. Qui est dans le ministère à Moutoumou, très bien. Il n'y a pas une foi auxiliaire. Vous voyez? Frère, mon concours, tu as l'endangé à Beka, à l'obéke. Oh, yo zande ya sekin, n'égini no ya, on a bien, awa pe, awa, à sekin ya utawa. La maga monga moana ndako, bisou ta ban ndako, bisou ta ban ndako. Là, l'obé, à sekin, c'est Beka. D'ailleurs, moi j'ai été baptisé à Baruti Tabernacle. Vous êtes baptisé à Baruti Tabernacle? Oui. 2000, j'ai rencontré Beka. Beka. Et c'est alors que j'étais devenu membre effectif. Il y a Baruta Bernard. Il y a Rigini à l'époque. Et quand le pasteur Baruti est allé à Guémena, je suis allé là-bas et c'est là que je me suis fait rebaptiser. C'est-à-dire 3 ans, Nazaragi Kabongo, parce que c'est le pasteur Bongo qui m'avait baptisé. Et quand je suis allé comprendre que le pasteur Bongo a ouvert son église de la 12e mairie, après qu'il avait été livré au diable. Après. C'était à Guémena. C'était le pasteur Jeannot de Batikombo et le pasteur Michel de Bobaka à Zandundu. Et tant que tu sais campagne en Sili, fait honorable Lusuna, na Guémena na Afrique en lutte. Papa Lusuna, oui. Voilà. Campagne oyo batonasu a se kwaka. Donc campagne batonasu wana yo muna yango zala. Oh, témoin oculaire na simba batonasu boyi. Donc batonasu bande ko belé balandaka yango na TV lelo yo viva yango. Na tuna yemi tuna na simba ye. Mais aux anciens parce que ba ministre belé ba prédicateur belé lelo. Ah, bazo landara batunasu na TV mais yo viva campagne wana c'est que ça c'est un peu koto na kinkole pasteur. Baba Beka a des enfants qui n'a pas connu. Qui n'a pas encore connu. Voilà. On dit oh Beka non. Batoyo basutena ka Beka. Oh ye ayebi. Baza même un 1/10.
Bandela bato ba soutenir Beka. Bato ba lingaka. Oyo Beka bota. Oyo ba soutenir Beka. Oyo ye a yebi. Baza un dixième par rapport na oyo ye a yebite. Donc ba o ba o ye a yebite baza plus nombre que. Voilà. Ba o ba mona na kawana. Voilà. Et tango ba kolinga ba bima boye. Bango. Mais phénomène wana zalaranine. Phénomène wana entre vous les serviteurs de Dieu. Si on peut dire comme ça, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça. Guerre d'esprit, on a pasteur. Bon, on a quoi chiter. Quand j'ai dit à Dieu comme ça, Dieu a multiplié. Nanda konangai ba faye ba kouy ni koya e bini. O bakani de konanga na makala na bondeli abini. O mbasu pa ekeyi. O moto akufi baye na bondeli ya sekwi. Et j'étais sous l'avocatier. Mais je ne bouge pas. Ce dimanche je kokina kei baruti. C'est là que les choses ont commencé. Ont commencé. On continue dans la magambo à dire ministère mais na zoe bisayo magambo campagne. Na keibeka na kutani na pasteur Mosendo. Je lui ai parlé de ma vie, de mon expérience. Je lui ai montré. Parce que tant on a zagi sous l'avocatier, il y avait un frère, Tokutani Nabis. Nazo exhorté, alobi frère, pourquoi des prétentions comme ça? Toi tu as Dieu? J'ai dit oui, j'ai Dieu. Oui, qu'est-ce qui prouve que toi tu as Dieu? Je lui ai dit, demande ce que tu veux. Oh. Il a dit, j'ai besoin de l'argent. Je lui ai dit, reçois l'argent. Sur place. Oui. Alors, on veut imiter Branham. Hein? Donne-moi ton numéro. Je lui ai donné le numéro. Après 3 semaines, il m'appelle. Alors, il n'y a pas d'argent. Aye pa nanga na bilamba. Na goda lobi Tokyo batisanga. Ah bon? Parce que banda wana na zaki ko uta kikuti na 6 sacs. Mais lelo na komo yana demi camion. Dozai commerçant do sa va voir. Il s'agit du frère Armand. Armand de Baruti Tabernacle. Azo yo kanga numéro na ye zaliao. Azo landa émission. Je lui ai dit Lokola Oye, toi tu es unique éthiopien, moi je suis Philippe. Tango toke ne bale, nazo bati sa ye bakangi photo, nga na li mwe. Dami mo ni ye moko. Niwe e li mwe singa, etika li ye moko. Donc, l'expérience de Philippe s'est répétée mais spirituellement. Armand est témoin. Et quand j'ai commencé, surnaturel oyo a débit à l'église awa na débit dans le bina pokwa botombola maboko awa eloko ezalaka te tant on a tomboli des colonnes de nuée équité les jours qui ont suivi ma colonne de nuée. Voilà, na église, débit à l'église. Débit à l'église sur la avenue Ngoussa. Est-ce que tu coaches na débit à l'église? Voilà. Na koya na campagne. Sur la avenue Ngoussa. Et la chose la plus remarquable que j'ai constatée, que cette photo, le surnaturel, épée, et bini. La même photo, yo et pas y a pasteur Mosendo. Na la quelle photo? Alobani, tant que vous l'accès à Pasteur Moussin. Aïebissing Alobi, vous assurez le droit, le droit chemin. Et comme Dieu t'a appelé, va de l'avant. Très bien. Il m'a montré trois doigts. Il a dit, je lui ai dit, popularité, femme, l'argent. Et l'argent. Aïebissing Alobi, quand on a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que va faire le travail Tokoyo Kasango. Voilà Pasteur Moussin. Voilà Tokoya. Pendant le confinement, au début. Moi, je me souviens au début, j'étais là.
C'est ça que je suis là en train de faire le travail comme l'ancien m'avait dit. Voilà. Et j'avais dit à Dieu que moi je ne cherche pas Beka homme. Je cherche Beka ministère. Et quand j'étais en train de prêcher, tout en disant que je cherche Beka ministère, parce que si Beka n'avait pas prêché le message confirmé par Dieu, les gens n'allaient pas le suivre. Alors, Beka ne me connaît pas. Moi aussi, il m'a embrassé. Je l'ai rencontré. Mais je ne le cherche pas. Je cherche le Dieu de Beka. Avant de le rencontrer, je voudrais d'abord avoir ce qui fait de Beka ce qu'il est. De faux oye banano et le onye zana gata Beka. Parce qu'il n'a joué alors qu'on wana. Voilà. Je suis comme Gédéon. Hein? Et le oye comme si Beka zala oye azali. Bakanina photo niwe et enveloppé ngai. Yo tala nano oye moto. Et bien monsieur image à Beka. Voilà. Donc prière non baki, je ne cherche pas Beka homme. Mozo Lucas qu'on a photo. Voilà. Mais là c'est textuellement l'image de Beka. Oh ngai nga mwana Beka. Oh yeah, yeah azaya Beka te. Oh yeah, abota ma wapi tout ça. Mais les histoires abana Beka on a entre parenthèses pasteur. Mais quand peut expliquer ce mwana ndaku que nani aza mwana ndaku comme cette première partie toi aussi ça na wana parce que hein Régis déjà signalé nga que to komi na suka. Mais quand on explique biso nani azala mwana ndaku. Ce sont des fausses bonnes idées. Des fausses bonnes idées. Très bien. Flatteuses qui provoquent la dénomination. Vrai mwana ndaku c'est qui? On devient mwana ndaku dans une église locale, bien que Beka ce n'est pas seulement pour Beka, il est un envoyé pour l'humanité. On devient membre. Soki au botamine ekodim, au koli, au batisami. Ou bien la campagne, un témoignage. Voilà. Au batisami. Ou bien au sali choix. Ou t'as dit quelque part. Au sali choix. Mananyon se basant dans mon corps. Donc, n'a pas au basala qui choix. Na bo ba gagner ba ona campagne. Na ya botami na ekodi. Bango tu baba na ndako. Voilà. Parce que vraiment na ndako za nani. Donc vraiment na ndako za te. Bango tu bana. Vraiment na ndako c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Très bien. De wana vraiment na ndako. Voilà. Mais le lo ba ko beta to lo ngani mwana ndako. C'est un envoûtement. Ah pasteur tika bo. Ma bo liberté. Mais je vous dis ce qui bon, ce qui à propos dire na nde ba mwana ndako. Bango yango pasteur. Ngana bandana 2000. Siko mwana ya 2011, ngana lobi mwana ndako. Mena envoûté ye. Est-ce qu'a kolinganga? Donc ils ont créé déjà bagarre entre bango mwana. Siko yo papa nanga yo lobi wana papa na yote. Est-ce que mwana wana pinao? Ça ce sont des envoûtements. Voilà fidèles téléspectateurs. Avec le pasteur Richard Bessalé, Marambolo Bessa, tellement belé, nous allons continuer cette série des émissions avec lui. Le lot aussi qu'après, même appel au ministère, tu dis que si c'est un côté. Parce qu'il faut tout exploiter, nous sommes les canakoto, appel au ministère, la commission, on te touche commission, non, on peut te toucher la manifestation automonate. Alexis, je suis juste à checker moi. Moi, Gouya Moukeka, parce que tant que touché pour une campagne d'évangélisation organisée qui Awa, c'était terrible. En tout cas, vous avez bien vu le pasteur, il y a Souka, la première partie, il y a panneau publicité, tout ça, il y a un bébé Balandio, et distance Bika, moi, je crois, à Rolandayo, conseil européen, c'est l'église, il y a un serviteur de Dieu, il y a un Bolando à travers le monde. Bon, avant de conclure, je voudrais dire que je fais la campagne sans invitation des anciens parce que je voudrais prouver au monde que je n'ai pas reçu l'homme, mais j'ai reçu la parole que l'homme a prêchée. Alors, je voulais que ça soit fait sans aucun signe de Beka pour prouver que j'ai reçu le Dieu que Beka m'a enseigné.
Alors, au monde entier, shalom, shalom. C'est moi, votre frère, Richard Bessalé. J'ai reçu la grâce de trouver ce qui est plus que le diamant. C'est pourquoi vous me voyez un peu ivre dans la joie. Je voudrais attirer l'attention du public que ce que j'ai reçu, Jésus a dit à son temps, vous pouvez tout faire, ça vous sera pardonné. Mais au temps du Saint-Esprit, au temps de l'ange, parce que Jésus a dit, je rentre au Père et il redevient dans son église. Moi, j'ai reçu cette grâce-là. Si vous parlez de moi, je vous conseille, si vous ne pouvez pas dire la vérité, fermez la bouche. Au lieu de critiquer, au lieu de contredire. Ce n'est pas que j'ai peur des critiques, mais j'ai peur que vous mourrez. J'ai peur que vous mourrez. L'ange qui marchait avec William Branham, que Baruch me prêchait, est maintenant avec moi. Je ne fais la course avec personne. Moi, je crois à ça. Et si vous voulez dire le contraire, demande à Dieu, moi je ne sais pas. C'est Dieu qui envoie, moi je crois que c'est lui. Ces messages, c'est Jésus-Christ et c'est l'ange, c'est le surnaturel. Si vous n'en avez pas les signes, selon Joël 2, Actes 2, 19, Luc 17, 30, Zacharie 14, si vous n'en avez pas, recommencez votre expérience. Ne gardez pas vos titres là, vos postes là, non. Recommencez pour chercher la vraie chose. Mon frère, le terme sincérité est primordial, même dans votre confession, même dans votre ministère. Si vous ne faites pas avec sincérité, vous ne verrez pas la colonne de feu. Je vous conseille de lire l'ange de l'alliance, paragraphe 50. L'autre, le numéro de téléphone, l'adresse de l'église. Mon numéro de téléphone, c'est 081 60 26 815. 081 60 26 815. L'adresse de l'église. L'église Tal Bikamwa se situe sur l'avenue Mboto 176. Référence chez Flore. Avenue Mboto, derrière la maison communale. Et vous prenez l'avenue Mboto, vous vous dirigez vers Maluku. Alors la référence, c'est chez Flore. C'est un lieu de retraite, un restaurant. En face, vous allez voir l'église Tas Bikamwa. Voilà. Merci beaucoup, le révérend pasteur Richard Bessalé. Le banal est tellement belé. Que le Seigneur Dieu bénisse. Merci à Bande Konyo, qui a assisté à l'émission Kola Pambola Bino, la présence de Bino. Merci à Bande Kopie Kuna, à Bande Konyo, à Régie, que le Seigneur Dieu bénisse. Nayo O, l'antibiso Nandaku, l'émission Panneau Publicitaire, Yambabasa, Nazambe, Poto Sola, Nabango Touyeba, qui est un vrai serviteur de Dieu, qui est un faux serviteur de Dieu. Parce que Bassa Nazambe, Bélé, Bazoué, na combo, Yamosa Nazambe. Mais après le ministère exalté, comme monsieur exalté, nani papa naé, Outawa, puis ainsi de suite. En tout cas, deuxième partie, émission, on a promettre une autre salle avec le pasteur. La réaction à Bino nous a toujours les bienvenus au plus 243 82 220 50. Merci d'abord au Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, à Bandai, Nabisou Nakimia, Père Souk, Nabisou Nakimia. Merci à ma grande équipe. Merci aussi à Bino, Bao Nios, Nabisou Nanda, Coupé na télé, Koula Pambola Bino, Junior, Jackson Litia, elle était devant ce micro. Pasteur, Tokutani. Merci, on n'a rien dit. Tolobino est le côté. Voilà. Donc, Marambo Lobézé Bélé. Voilà. Tout ça, tu as 3-4 séries. Pour te louer la nuance aussi. Quand tu as touché ma manifestation, tu as touché ma témoignage. Voilà. Et puis, ce sera toute une émission pour la campagne. Parce que la campagne, Marambo Zalé qui est Bélé,
au pompa qui va prédicateur bam suba qui ma qui te rezongelang voilà et voilà. Monsieur Tokola la tokola muka au revoir tokobanza makambo ikoya. Vous bénisse.